Mercredi après-midi, 7 décembre 2008, je faisais la vaisselle chez Michel Weidart, amoureux de Marlene, sa belle. À la radio vit le mari de Montréal, y a un gars que je connais pas, qui racontait bien simplement son corps. Le titre de l'émission, c'était l'engagement, un cancer tellement rare que son docteur ne voyait plus que la mort. Désespérés, ont fait un nouveau traitement, 300 fois changer son sang, vider son corps complètement. Le gars, comme par miracle, qui est revenu à vie, ça fait déjà 6 ans de ça. Il y a même un petit bébé, Kelvin, de sa roumaine qu'il aime. Trois cents fois vider un corps, ça te lave une banque de sang. C'est ses chums qui ont remboursé l'aiguille dans le bras, leur manière de prier, de prier, de prier pour que guérisse le bombe, oh, le bombe, le chum de gauche.